travail. En 1993, le cap des 3 millions de chômeurs est atteint et vite dépassé. L'Europe sera-t-elle la solution attendue? On l'espère, mais là encore, on est vite déçu. Le grand marché européen favorise les concentrations et les mariages entre grosses entreprises. Conséquence, le chômage s'accroît partout en Europe. Pendant que les Allemands font connaissance avec des agences pour l'emploi surpeuplées, les Anglais redécouvrent les soupes populaires à chaque carrefour. Un peu partout, les travailleurs privés d'emploi s'arrachent les petits boulots avant de sombrer dans l'oisiveté. Et si par extraordinaire une offre d'emploi paraît dans la presse, c'est aussitôt la bousculade. Vers la fin de 1994, la France compte 4 millions de chômeurs. Dans tout le pays, vous vous en souvenez, les manifestations violentes se multiplient pour protester contre les suppressions d'emplois. Mais pour les hommes politiques, c'est le temps du grand silence qui commence. Il faut à tout prix parler d'autre chose. Et moi, je suis favorable à tout ce qui permettra de progresser vers l'union de l'opposition et j'approuverai tout ce qui ira dans ce sens. Je pense qu'il y a besoin d'une organisation internationale qui se préoccupe des questions d'environnement parce qu'il doit y avoir aujourd'hui, comme c'était le cas il y a 200 ans, un nouveau droit de l'homme, un droit de l'homme à l'environnement. Du temps du Conceptennat, vous vous rappelez que nous avions essayé de développer la maison individuelle. L'objectif était que le plus grand nombre possible de Français aient leur maison individuelle. Et vous verrez que dans les quartiers à maison individuelle, vous n'avez pas des incidents de ce genre. 1996, on en est cette fois à 5 millions de chômeurs. Mais à présent, plus de manifestations, plus d'autoroutes bloquées, plus d'usines occupées, juste des visages rouges.